J'espère qu'il est assez frais. Salope. Tu m'as encore menti, hein? Ne me touche pas! Comment fait le coup de la tendresse pour que je signe avec ces ordures? Mais enfin, monsieur, pourriez-vous m'expliquer la raison de cette intrusion? Tu t'es bien foutu de ma gueule, hein? Et pour quelques billets de 100 francs, t'es vraiment... Eh ben oui, je me suis foutu de ta gueule! Mais pour 5000 francs, payé cash par la Fielding, plus un avion-taxi. Et à ce prix-là, je suis prête à recommencer. Parce que la seule façon pour moi de vous emmerder tous, c'est l'argent. Combien tu gagnes par mois? Ton salaire de PDG, combien? 20 000, 30 000? Eh bien, moi, je gagne 60 000 francs par mois. Et sans me fatiguer. Tu vois cette ordure? Ce malade-là? Eh bien, il me donne 1500 francs pour une heure. Ce que tu me donnerais, toi, pour me tuer au travail pendant un mois dans ta putain d'usine. Et tu arriverais peut-être à me sauter en plus parce que j'aurais peur de perdre ma place. Si vous voulez mon avis, elle a peut-être un peu raison. Et tu voulais me mettre dans mes meubles? Mais c'est pour ça que la Fielding t'a racheté, parce que tu as 100 ans de retard. Me mettre dans mes meubles? Mais t'as rien compris, que c'est Jacques. Le cassoulet, les petites femmes de Paris. Et l'usine, qui est une grande famille. Mais tu es franchouillard jusqu'au bout du béret, mon pauvre vieux. Et les Américains, les Japonais, les Allemands, les Arabes. Tout le monde est en train de vous bouffer tout cru. C'était très, très, très bien.